Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de What the Fabric. Grosse nouveauté, vous l'aurez sûrement remarqué, sinon ça veut dire que vous n'allez pas souvent sur le site, et ça c'est pas très bien. Le site a changé. L'objectif, créer un outil communautaire et une plateforme collaborative. En somme, on aimerait bien devenir le nouveau médium à la française, en toute humilité bien sûr. Pour cela, nous avons besoin de chacun de vous. Il est donc ouvert à tout le monde. Il vous suffit de créer un compte, de demander à être éditeur, et c'est parti pour l'écriture de blogs, le tournage de vidéos, le partage de schémas et autres débats. Peu importe le sujet, venez rédiger des articles et partager des sujets qui vous tiennent à cœur sur le blog de What the Fabric. Vous pouvez également partager votre parcours. Nous sommes nombreux sur cette plateforme à faire des métiers complètement différents, à avoir des parcours totalement différents. Ça peut être très intéressant de venir témoigner de votre parcours. Ça permet de laisser une trace. C'est toujours intéressant de revenir quelques mois plus tard et de voir les progrès qu'on a pu faire. Mais surtout, certains pourraient se retrouver en vous et en votre parcours et être une forme d'aide, parce que échanger, c'est aussi apporter aux autres. Alors surtout, n'hésitez pas à partager des sujets ou ne serait-ce que juste votre parcours sur le blog de What the Fabric. On vous attend nombreux. On vous en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais Google lance le HCode 2021. Qu'est-ce que c'est ? Une compétition de programmation. C'est ouvert à tous et à tous les niveaux, mais attention, les inscriptions se terminent le 24 février. Là, c'est dans quelques jours, donc c'est pas le moment de tarder. Il y a déjà 4 équipes qui sont formées pour What the Fabric. N'hésitez pas à rejoindre le channel Google Coding pour vous tenir au courant de où en sont les équipes et peut-être en rejoindre une si cela est possible, ou même créer votre propre équipe si toutes sont pleines. Mercredi, c'est le retour des lives. Enfin, ça nous avait manqué. Vous retrouverez Freddy avec Harold Gardas, le CEO de Com. Encore une super société qui devrait vous plaire, qui a pour activité principale de créer des vidéos de communication à destination des startups. On vous attend donc nombreux, mercredi à 18h sur Twitch. Après avoir écrit des articles de blog, fait le hashcode, puis suivi le live de mercredi, vous avez bien le droit à une petite pause, et c'est jeudi soir que ça se passe, avec l'afterwork du jeudi. La semaine dernière, c'était Gartic Fun, cette semaine, c'est le retour de Among Us. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous, donc venez participer, ça sera jeudi à 20h30 sur Twitch et aussi dans la taverne. Un petit rappel, What the Fabric est présent sur tous les réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, et on essaie d'être actifs un peu partout. Mais pour ça, on a aussi besoin de vous. Plus vous nous suivez, plus nous avons du poids, et donc plus on pourra mettre des actions concrètes qui seront utiles et reconnues. N'hésitez donc pas à nous suivre partout, ça vous permettra d'être au courant de tout ce qui se passe, de pouvoir participer activement en partageant les différents posts importants, et surtout de nous donner de la visibilité. En parlant de ça, nous souhaitons remercier Romain Gréaume qui a partagé le Discord avec les membres de son école et qui nous a permis de dépasser la barre des 1400 membres, et c'est pas rien. On en profite également pour remercier tous ceux qui nous ont fait des déclarations publiques à travers des articles ou des posts, notamment sur LinkedIn, pour vanter les mérites de What the Fabric. Ce sont des témoignages qui nous vont droit au cœur, car c'est l'essence même de la création de What the Fabric. Alors, on vous remercie chaudement pour votre soutien public et on espère que la communauté continuera de grandir encore et encore et encore. Voilà pour les news d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi.